Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être encore une fois des nôtres. Vous êtes au JDS, journal du dimanche soir. Et vous avez raison donc d'y rester, puisque cela nous permettra en gros 52 minutes de faire le tour de notre actualité, qui, faut-il le rappeler, est aussi diverse que variée. Deux sujets qui seront abordés de façon prioritaire. Les 10 ans du Faso Autrement, l'événement a été marqué par le président du parti et ses militants. Aujourd'hui même, bilan, perspectives et autres sujets d'actualité seront au cœur de l'entretien que nous aurons dans quelques instants avec le président du parti, Ablassé Ouédraogo. Deux sujets, nous disions, sport, forme des étalons et préliminaires Coupe CAF seront donc les sujets. Nous irons au Maroc pour le point de la rencontre de ce soir, Asfayenega San Pedro FC. Nous recevrons aussi Kamou Malo, le sélectionneur des étalons, sur la vision pour les échéances qui attendent l'équipe nationale. Vision qui est forcément la sienne. C'est le déroulé du journal du dimanche au soir et le temps que nous aurons donc à passer avec vous. La première rubrique, c'est celle politique. Avant de recevoir mon invité que j'annonçais, le premier, Ablassé Ouédraogo, président de Le Faso Autrement, on va s'intéresser justement à cet anniversaire que nous annoncions en titre. Et donc aujourd'hui, 12 septembre, le parti Le Faso Autrement a célébré donc ses 10 ans d'existence. Et pour marquer cette journée, les responsables et militants du parti se sont réunis à Ouagadougou, jour anniversaire, pour ce double regard, celui du bilan et des perspectives. Abdoul Rahim Niégné pour le point. Pour les 10 prochaines années, le Faso Autrement compte conquérir le pouvoir d'État. C'est la projection faite par les responsables au cours de cette journée de réflexion sur le renforcement du parti 10 années après sa création. Les membres ont donc au cours de cette journée identifié les défis à relever pour atteindre les objectifs pour la prochaine décennie. Cette journée de réflexion-là a pour ambition de revoir tout ce que nous avons vécu pendant les 10 ans-là, il y a des faiblesses, il y a des forces, il y a des choses qu'il faut corriger, il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Et pouvoir, à partir donc des conclusions que nous allons tirer aujourd'hui, nous projeter sur les 10 prochaines années. Et nous disons que ce que nous venons de vivre au cours des 10 dernières années nous encourage à aller de l'avant. Nous sommes sur la bonne route et je pense que le pouvoir n'est plus loin du parti Le Faso Autrement. Du 12 septembre 2011, date de création du parti, à aujourd'hui, Le Faso Autrement a participé à toutes les échéances électorales. Même si pour cette 8e législature, le parti n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, son président se réjouit de sa participation à l'élection présidentielle passée. Ainsi, il estime que le Faso Autrement a une place importante sur la scène politique burkinabé. Le Faso Autrement a été présent sur toutes les questions pendant ces 10 dernières années. Nous avons participé à la transition au niveau du gouvernement, au niveau du CNT. Nous avons été à l'Assemblée nationale depuis que le parti a été créé. Nous avons 87 conseillers municipaux, nous avons la mairie de Sapuy. Écoutez, nous sommes 208 partis. Le nom du parti Le Faso Autrement est bien connu. Ce qui reste à faire, c'est travailler à renforcer les capacités du parti pour que les résultats soient encore meilleurs. Les militants du parti ont quant à eux apprécié ce cadre de réflexion et affirmer leur engagement à lutter pour un changement dans un futur proche. Cette journée de réflexion a permis aux membres d'harmoniser leur point de vue sur la situation nationale en vue d'une déclaration publique dans les jours à venir. Retour sur ce plateau avec la figure de proue de ce parti politique, à savoir le docteur Ablassé Ouédraogo, président de Le Faso Autrement. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur Vara. 10 années, hein? On va dire d'action sur la scène politique en tant que Le Faso Autrement. On vous a connu avant ces 10 années là, c'est clair. Aujourd'hui, c'est comme dans un rétroviseur que vous avez accepté de regarder et en même temps aussi regarder l'écran qu'il y a de ce que vous pouviez projeter pour ce qui est de ce parti là. Commençons déjà par le rétroviseur. Les 10 années, c'est quoi pour vous? Vous savez, 10 ans dans la vie d'un parti politique,
Ça peut paraître petit, mais c'est énorme. Et je voudrais vous rassurer que ces 10 ans ont été 10 ans de résistance, 10 ans de résilience, 10 ans de combat. Nous avons donc obtenu le récépissé d'existence du parti Le Faso Autrement. C'était le 12 septembre 2011. Et depuis, nous n'avons pas arrêté de participer à l'animation de la vie politique et publique. C'est ainsi que, depuis que le parti a été créé, nous avons été toujours présents à l'Assemblée nationale, bien que c'était avec la présence d'un seul député. Et je pense que nous avons contribué à faire changer un certain nombre de choses qui nous tenaient à cœur dans la vie politique de notre pays. Et je voudrais d'ailleurs m'incliner sur la mémoire du député Kwanda qui a été retrouvé le 16 janvier mort à Saint-Aptenga et rassurer les membres de sa famille, les militants et les partisans du parti Le Faso Autrement que l'affaire suit son cours au niveau de la justice et que les enquêtes d'usage progressent. Et quand je regarde avec du recul, nous avons eu raison de créer le parti parce que nous voulions d'un Burkina Faso autre que celui que nous vivons avec. Et tout ce que nous avons eu à faire comme projection, tout ce que nous avons eu à faire comme proposition, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, ce sont des réalités qui sont venues confirmer. Si bien que les cadres du parti, au cours de l'entretien, des échanges que nous avons eus aujourd'hui, et je tiens à préciser que les participants ont bénéficié d'une communication qui a été faite par le directeur exécutif du CGD, Centre pour la gouvernance démocratique, Dr. Thomas Rayende Ouedraogo, sur comment renforcer les capacités d'un parti sur le terrain. Et c'était notre préoccupation. Nous avons, comme je l'ai dit, accepté de reconnaître que tout n'a pas été parfait pendant les 10 ans dans le fonctionnement du parti. Maintenant que nous continuons de faire la politique et maintenant que nous continuons donc à mettre notre espoir de conquête de pouvoir sur le parti Le Faso Autrement, regardons droit dans les yeux, identifions tout ce qui est considéré comme faiblesse, comme obstacle, balayons la route et allons définitivement pour la conquête du pouvoir. C'est vrai que en 10 ans, le président du parti Le Faso Autrement a eu la charge de représenter le parti à 2 élections présidentielles. C'est déjà une grâce, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde, en tout cas pas à tous les partis, de faire aboutir la candidature d'un des leurs à l'élection du président du Faso. Les obstacles sont énormes et nous avons réussi à nous placer 2 fois de suite. Et les résultats que nous avons eus nous satisfont amplement. Par exemple, si on regarde pour l'élection de novembre 2020, c'est l'argent, et simplement l'argent, qui a déterminé les résultats. Oui, mais justement, parce que là, vous faites la brèche sur la deuxième question que j'avais logiquement pour vous. Okay. Je pense que vous la sentiez. Et quand on parle de l'existence d'un parti politique, et donc sa vocation, entre autres, c'est bien aussi la question des consultations électorales, d'y participer et d'en sortir avec des résultats qui soient quand même assez probants. Vous étiez sur les starting blocks présidentiels, les députations ici et autres. Les 10 années, vous retenez quoi? Lorsque vous dites par exemple qu'on a participé à la présidentielle, on a eu un député, maintenant vous n'en avez plus. 10 années, vous retenez quoi? Je vais vous dire une chose, Monsieur Vaha. Quand nous créions le parti en 2011, nous n'étions pas sûrs des résultats, même de tenir 1 an ou 2 ans. D'accord. Nous avons, aux élections de 2012, obtenu une 30aine de sièges de conseillers. En 2015, et c'est le mandat qui se poursuit aujourd'hui, nous avons obtenu 87 et la mairie de Sapuy. Quand on regarde au niveau de la vie parlementaire, en 2012, nous avons eu un député, c'était moi-même. Nous avons été
dans le CNT avec un député. Et par la suite, nous avons été en 2015 élus, je parle du parti, au Parlement. Et ce n'est que en novembre dernier, donc il y a quoi, 6 mois, 7 mois, que nous avons quitté l'Assemblée. C'est normal. Les choses doivent tourner. Et c'est pour cela que nous nous préparons pour 2025. Et s'il plaît à Dieu, comme c'est Dieu qui donne le pouvoir, tout est possible. Il ne faut jamais abandonner. Tant que vous n'êtes pas mort, dites qu'il y a toujours de l'espérance. Et c'est ce que nous, au Parti Le Faso Autrement, nous faisons en sorte que le changement que nous voulons pour notre pays, les aspirations que les populations ont sur leur cœur et que nous, Le Faso Autrement, voulons satisfaire, ce n'est que dans la persévérance, ce n'est que dans l'abnégation, ce n'est que dans la continuité des efforts que nous allons réussir. Sinon, c'est très facile de dire « j'abandonne et puis je vais planter des choux ». Vous avez déjà commencé à vous projeter hein, vers l'avenir, donc on va quitter la question du rétroviseur pour l'écran qui nous projette devant. Vous disiez tout à l'heure dans le reportage, le pouvoir n'est plus loin, c'est sûr? Vous savez, je prends des exemples. En Zambie, il y a de cela 2 semaines, le président qui a été élu, qui était de l'opposition, c'est après sa 6e tentative. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Si je prends le Sénégal à côté, combien de fois le président Abdoulaye Wade a été candidat? Il passe par les hommes hein, et qui élisent. Non, je vous dis, rien n'indique qu'en 2025, si Dieu prête vie à Blaise Ouédraogo, si Dieu lui donne les moyens, je parle des moyens comme les autres, il n'y a pas de raison qu'il ne lui donne pas le pouvoir. Donc et moi, j'ai confiance. C'est juste une affaire d'argent. On ne peut pas faire la politique sans argent. Soyons clairs. Malheureusement, dans notre pays, le niveau de pauvreté, pauvreté dans le ventre, pauvreté intellectuelle est tel que la corruption a envahi la scène politique. Et je dis et je répète, les résultats de l'élection du président du Faso de novembre, du 22 novembre 2020 ont été plombés par l'argent. Vous pouvez regarder dans l'ordre chronologique d'arrivée des candidats, c'est proportionnel aux moyens que chacun a pu mettre sur le terrain. Donc le pouvoir n'est plus loin, c'est que le Faso Autrement s'atteigne plus d'argent bientôt. C'est peut-être pour cela que vous sentez que ce n'est plus loin. Je me confie à Dieu et j'ai espoir. D'accord. Voilà. Parlons plus, on va dire spécifiquement, stratégie. Dans les 10 prochaines années, vous entrevoyez quoi de façon stratégique pour que ce que vous disiez tout à l'heure ne soit pas qu'un vœu pieux? Je pense qu'il faut être réaliste. D'accord. Et il faut être honnête envers soi-même. Le parti Le Faso Autrement n'a pas le même volume d'argent que ceux qui sont au pouvoir. C'est une réalité. Par contre, nous pouvons les dominer sur la proximité avec les populations. Mmh. On appelle ça construire l'humanisme. Il faut avoir des relations, il faut être près des populations. Il ne faut pas attendre d'avoir besoin d'eux pour aller vers eux. Et tout à l'heure, dans nos discussions, parlant de stratégie justement, je pense que nous allons affiner cette stratégie-là de construire donc l'humanisme et d'aller franchement pour convaincre ceux qui nous votent là que l'argent c'est bien. Prenez cet argent-là et bouffez-le. Mais votre avenir dépend du choix que vous allez faire. D'ailleurs, pendant les dernières élections, nous avons dit comme message, des candidats viendront vous proposer 2000 francs, 5000 francs, prenez et bouffez. C'est notre argent à nous tous qu'ils viennent vous restituer. Une fois que vous avez fini de bouffer, dans l'urne, dans l'isoloir, pardon, c'est vous, Dieu et le bulletin. Donc votez faites, qui vous voulez. Et j'ai même dit que ceux qui prennent les 5000 francs, les 2000 francs, c'est une satisfaction de courte durée. Parce que ces 5000 francs, ces 2000 francs, ils vont le bouffer en une seule fois.
Mais ils auront 5 ans, et je m'excuse du terme, ils auront 5 ans pour faire caca. Et quand je circule dans Ouaga, dans le pays, tout le monde me dit « Ah, président Ablassé, vous êtes un visionnaire. Ce que vous nous avez prédit là, c'est ce que nous sommes en train de vivre. » Justement, on va aborder maintenant peut-être 2 sujets sur le plan actualité, parce que c'est très important aussi. Je sais que vous étiez des visages qui représentaient l'opposition politique pendant le dernier dialogue. Il y avait eu une suspension. On parle maintenant de reprise. Aujourd'hui, vous pensez que ça va revenir sur de meilleurs auspices? Vous y donnez des résultats possibles qui soient intéressants pour nous? Un bon dialogue? Moi, ce qui me concerne, au premier chef, c'est ce qu'on appelle le Burkina Faso. D'accord. Le Burkina Faso, c'est notre dénominateur commun. C'est notre bien commun. Et je me dis que si on veut construire ce pays, on ne peut le faire que dans la paix, dans la quiétude, dans la sérénité. Pour ce faire, allons nous parler. Nous sommes du même pays. Le pays nous appartient tous. Le dialogue est fait justement pour lever toutes les équivoques et aider le pays à avancer. Et je dirais même plus, si mon avis était demandé par rapport à l'organisation de ce dialogue politique-là, je demanderais que les organisateurs-là l'élargissent à tout le monde. Aujourd'hui, on dit que c'est la majorité qui est assise avec le CFOP, les membres qui adhèrent au CFOP. C'est limitatif, c'est restrictif. Ça ne suffit pas. On a entendu Luna dire on veut venir, il y en a ils beaucoup. Vous pensez que c'est... Parce que ce sont des Burkinabés, ils ont des bonnes idées avancées. Le pays nous appartient tous. On ne peut pas accepter qu'une poignée, qu'un petit noyau de Burkinabés s'arroge le pouvoir de discuter, eux uniquement, de la situation de notre pays. Associons tout le monde. Mais tout le nous monde aurons les résultats. Dans un dialogue politique, pour l'instant, c'est des partis qui sont là et tout. Quand on crée l'organisation, regardez le contour et mettons ce qu'il faut pour que l'organisation là soit bénéfique pour tout le monde. J'ai dit encore une fois, si on me consultait par rapport à l'organisation de ce dialogue politique-là, j'ai dit qu'il faut l'élargir. Je l'ai toujours demandé. Ce n'est pas parce que je suis assis là-bas, mon avis demeure. Donc les résultats pourraient porter les tares de la composition même de départ. C'est clair. Si vous ne prenez que des gens qui peuvent jouer la complicité, vous voulez quoi? J'ai dit, jouons la diversité. Et avec la diversité, il y a de l'enrichissement. Ok. Docteur Ablassé Ouédraogo, on va terminer par la dernière question. On sait que c'est un sujet qui vous est cher, la question de réconciliation nationale. On a eu un ministère plein et on sait maintenant un peu plus sur les calendriers. C'est du 17 au 23 qu'on aura le forum national, ouais, 23 janvier 2021 là, qu'on aura 22 plus tôt, qu'on aura donc le forum national pour la réconciliation. Vous donnez cher la peau de ce forum là. Vous pensez que on a parlant d'étapes et de process, on est dans la bonne dynamique et qu'on arrivera à un forum qui permettra aux Burkinabés de se parler et de soigner certaines plaies. Je pense que c'est un secret de polichinelle que de dire qu'Ablassé Ouédraogo, qui est sur votre plateau ce soir, est quelqu'un qui travaille, qui milite pour la réconciliation nationale au Burkina Faso. C'est un impératif catégorique. Et la réconciliation est possible. Et tous les Burkinabés veulent de la réconciliation nationale. Si on me demandait par rapport au process, comme vous le dites, moi je trouve qu'il va très lentement. Le président Kabore lui-même a promis à Zinyaré, pendant la campagne, qu'il aurait réglé le problème de la réconciliation nationale pendant les 6 premiers mois. Maintenant, il demande qu'on aille jusqu'à janvier 2022. La réconciliation, c'était plutôt le retour de Blaise Compaoré, les 6 mois. Y compris, Blaise Compaoré reviendrait si le problème de la réconciliation était résolu. Et d'ailleurs, pour le 11 décembre 2021, qui sera célébré à Zinyaré, quand vous parlez avec les populations de Lubritenga,
Ils disent que la fête là, c'est bien, mais est-ce que Blaise Compaoré sera là pour fêter avec nous? Ça, ce sont des questions qu'il faut avoir à l'esprit. De toutes les façons, quelle que soit la durée que cela prendra, le soleil va se lever. Moi, je prie Dieu le Tout-Puissant qu'il éclaire les Burkinabés, qu'il leur donne le cœur à s'accepter, à se tolérer, à se faire pardon, pour que la réconciliation dont le forum est prévu pour la période du 17 au 23 janvier 2022, là, que ce forum-là produise les résultats que tout le monde attend. Parce que si nous arrivons à nous réconcilier entre nous, Burkinabés, si le Burkina Faso arrive à se réconcilier avec lui-même, nous allons constituer une nation forte. L'unité nationale sera une réalité. Et tous les défis auxquels notre pays est confronté actuellement trouveront des solutions, à commencer par l'insécurité qu'il faut éradiquer, la cherté de la vie, les problèmes sanitaires, les problèmes sociaux et les problèmes scolaires. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend d'aller à la réconciliation nationale pour permettre au Burkina Faso de s'engager dans la phase d'un développement durable qui sera profitable à tout le peuple burkinabé. Merci bien, Ablaïsé Ouédraogo. Et on dira, pour terminer, joyeux 10e anniversaire. Je vous remercie beaucoup. J'espère que pour les prochaines 10 autres années, je reviendrai donc pour qu'on parle. Il n'y a pas de souci. Merci et bien. Et bon courage à vous. Merci. Je rappelle que nous étions avec Ablaïsé Ouédraogo, le président de Le Faso Autrement. On va rester en politique avec un autre rendez-vous, celui du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, dont le bureau politique s'est réuni hier samedi pour préparer une séance qui devrait aboutir à la restructuration des instances du parti, donc celui de la majorité. Et cela se tiendra les 24, 25 et 26 septembre prochains. Nous revenons donc sur la session d'hier. Après 3 années à la tête du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, le Bureau politique national est en fin de mandat. Selon son président, le MPP étant au pouvoir, veut conserver sa place de leader et premier parti dans l'arène politique burkinabé. Cette ambition sera abordée au cours du congrès du parti qui se tiendra du 24 au 26 septembre prochain à Ouagadougou lors du renouvellement de l'instance dirigeante du parti. Quand on est un parti qui gère le pouvoir d'État, le sentiment c'est de tout faire pour honorer cette position de premier parti et de parti au pouvoir. C'est d'être à même de relever les défis, d'accompagner correctement le gouvernement, qui est notre gouvernement, d'appuyer le président de Faso pour que les défis soient relevés, pour que le programme pour lequel le président a été élu, soit implémenté, bien implémenté, au bénéfice des millions de Burkinabés. Toutes les informations nécessaires et conduites à tenir pour la tenue effective du congrès ont été étalées à cette session. Et pour conforter sa position, 4 autres partis politiques se rallient au MPP à ce congrès. 4 partis ont demandé à venir avec nous. Donc, la base du MPP va s'élargir au prochain congrès et la décision sera prise à ce niveau. La décision finale. À l'UPR, il y a le Parti Socialiste Burkina, la CPRMP et AGI. Ces 4 partis politiques pourront-ils faire partie dignement de la grande famille MPP? La réponse sortira du congrès, précise Simon Compaoré. Il estime que tous les membres présents à cette session se sont accordés sur les points qui devraient éventuellement poser débat au prochain congrès. Après donc la rubrique politique, nous passons à celle société.
Et dans cette rubrique, nous allons nous intéresser à une activité qui commence à prendre et à gagner du terrain. Il s'agit de celle de livreur ou de coursier. Et il faut dire que la mission, c'est donc aider à faire des courses de tous ordres et aussi livrer quelques articles. Une équipe de True TV a suivi quelqu'un, Soulé, c'est son nom. Il est handicapé, mais cela n'a pas raison de sa détermination à aider les uns et les autres. Et c'est Abdoul Rahim Nyenye qui nous propose ce reportage. Comme tous les jours, tout commence par un coup de fil. Ce matin, Sidnoma Ouedraogo, dit Soulé le coursier, se prépare pour honorer son premier rendez-vous de la journée. Direction le quartier Ouaga 2000 où son client l'attend. Après 30 minutes de trajet avec sa motocyclette de trois roues, Soulé, handicapé moteur, est au lieu indiqué. Pour sa première course, il doit récupérer des documents et les déposer au service d'établissement d'extrait d'actes de naissance. Soulé est coursier et gagne ainsi sa pitance quotidienne. Je fais des courses administratives, des courses domestiques et aussi il y a des courses un peu de gare. Ceux qui m'envoient chercher des colis dans les gares, bon, je vais. Je fais pas mal de courses. Si vous me souhaitez, vous me demandez de faire une course pour vous, ben, si, dès que je peux, je le fais. Il n'y a pas de limite type pour dire voilà, je ne fais pas telle course. Non. Moi, je n'ai pas choisi à faire des courses type. Je fais presque toutes les courses que je peux. Soulé ne patientera au soleil que quelques minutes. Son client se présente et lui remet les pièces nécessaires pour l'établissement de son document administratif. Ce monsieur fait partie des clients les plus fidèles de Soulé. Une fidélité qui s'explique par l'admiration que ce dernier a pour le coursier. C'est pour faire les extraits de naissance de mes enfants. Donc je suis un professionnel, je suis occupé, je suis pris par le travail. Donc chaque fois que j'ai besoin de ce type de documents, en tout cas je sollicite ses services. Et il me satisfait. En tout cas, c'est un monsieur très dynamique, professionnel. Je suis satisfait en tout cas de ce service. C'est un monsieur, malgré son handicap, il se bat. Après Ouaga 2000, le cap est mis sur Nioko 2, à une quinzaine de kilomètres de là, dans la périphérie nord de la capitale burkinabé. Ici, Soulé doit livrer un colis. Et après réception, c'est un client satisfait qui loue ce nouveau métier de livreur qui émerge. On est beaucoup satisfait de cette course. À chaque fois, il fait ça très bien et il n'a jamais pris de retard. Et vraiment, on est très satisfait. Cette activité coursier, moi, je le trouve très, très bien parce que souvent, tu te lèves la journée, tu as 1000 choses à faire. Et si on pouvait repartir à d'autres personnes, qui puisse quand même te dégager plus de temps pour mieux avancer. Quoi. Depuis 2 ans, Sidnoma Ouedraogo mène cette activité qu'il juge peu rentable. En plus de la fatigue physique qu'impose cette profession de livreur, Soulé fait face également au comportement de certains clients indélicats. Il y a des gens qui me sollicitent pour des courses. Bon, seulement, souvent, quand j'arrive, ils ont la peine à payer normalement. Ils disent « Ah non, mais c'est trop cher ». Bon, vous voyez, il y a des distances, les extrémités de Ouaga, surtout quand tu y vas, par exemple comme Rayongo, comme Nagrin, des distances assez longues, bon, ça sollicite quand même, ça demande quand même un peu de moyens pour. Mais il y a des gens qui veulent faire des courses de distance assez longue, à 1000 francs, 500 francs pour ton carburant, bon, vraiment c'est assez compliqué. Malgré ces difficultés, notre livreur ne se laisse pas gagner par le découragement. Et avec les sollicitations de plus en plus grandissantes, Soulé ambitionne se faire épauler par d'autres personnes avec en ligne de mire la création d'une entreprise de livraison. Mais par manque de moyens financiers, cela paraît pour l'instant comme un rêve inaccessible. Retour sur ce plateau pour la dernière rubrique de ce rendez-vous JDS et c'est une rubrique pleine. On parlera sport et c'est après cette transition.
Et en sport, je le disais, préliminaire Coupe CAF, dont nous allons parler avec cette rencontre de ce soir, ASFA Yenéga et FC San Pedro. Et on reçoit aussi le sélectionneur des étalons. Il est avec nous, Kamou Malou, mais j'ai à ma droite Claude Lomba, avec qui j'anime cette tranche-là. Bonsoir Claude. Bonsoir Geoffroy. En tout cas, je suis très ravi d'être là, surtout qu'on a un euro parmi nous. Voilà. C'est pour le ça euro que je vous... le euro de Marrakech. C'est pour ça que je vous ai introduit pour qu'ensemble on puisse le recevoir. Bonsoir, coach. Bonsoir. C'est un véritable plaisir de vous avoir. Moi également, le plaisir est partagé. D'accord. Ah. On avait dit des. On vous avait fait des félicitations, mais c'était à distance. Hein. Aujourd'hui, vous êtes là, on vous les réitère. En tout cas, félicitations. En tout cas, je partage ces félicitations avec toute mon équipe. D'accord. Ah. On va échanger sur la question des étalons. Mais avant, je le disais, ce soir, il y a un match qui s'est joué du côté du Maroc. Et c'était l'ASFA Yenéga qui avait croisé les crampons avec le FC San Pedro, que vous avez donc en image. Et on va dire que le match s'est soldé par un score nul et vierge, donc 0 but partout. Et là-dessus, on va déjà se permettre d'avoir les quelques réactions que nous avons eues, réactions d'après-match. Je pense qu'on va commencer par Albert Bambara, qui est le directeur technique de l'ASFA Yenéga. Vraiment, et c'est quand même frustrant de manquer ces sortes de buts-là. Mais on est en football, tout peut arriver. Voilà. Je pense qu'à Abidjan, là, on va se remobiliser. On va se remobiliser, aller à Abidjan pour essayer d'aller faire la différence là-bas. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché justement? Bon, je sais que dans l'entrejeu là, un peu, il y avait un peu de difficulté et il n'y avait pas un peu de sérénité au départ. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup, c'est la première fois qu'ils jouent la Coupe d'Afrique, c'est pas facile souvent. Quand on parle de trac là, souvent, vous avez beau leur parler, mais dès qu'ils rentrent sur le terrain, il y a certains là qui n'arrivaient pas à s'en sortir de ça, il faut le reconnaître. C'est pourquoi vous avez vu 3 changements du coup comme ça pour essayer de relancer la machine. Bon, mais on a vu qu'en dernier, les dernières 15 minutes aussi, on a subi. Bon, vraiment, il y a quelque chose qui s'est enrayé. Bon, on a fait tout le staff technique, on a fait des mises au point. Et je pense que c'est des choses qu'on va régler avant d'aller à Abidjan. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce que le football aujourd'hui, là, il ne s'agit pas de dire qu'on joue ce soir. Hein. Soit vous êtes fort ou vous n'êtes pas fort, c'est clair. Voilà. Si on va s'en tenir à dire comme on part ce jeu là-bas, déjà c'est fini. Donc ce n'est même plus la peine qu'on aille au match retour. Voilà. Depuis le départ, on savait que c'était en aller-retour. Voilà. On a raté le coach ici. Mais le football, comme on le dit, ce n'est pas du A plus B. Mais ce que j'ai vu là, cette équipe-là est capable de faire quelque chose à Abidjan. Bon, ce match-là, il était moins bon. Car bon, je peux dire que ce qu'on a fait en championnat national et puis en coupe, on ne peut plus revenir là-dessus. Donc, on est sur une phase de qualification et on joue pour gagner, rien que pour gagner. Donc, ici à Marrakech, la plupart de l'équipe, l'équipe, elle est jeune et puis moins expérimentée pour la Coupe CAF. Bon, c'est notre première fois, donc on a essayé de jouer. On aurait dû gagner, mais malheureusement, on a eu des occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Maintenant, à Abidjan, on espère qu'avec la cohésion, si par exemple, on se parle bien, et vu le match qu'on a livré ce soir, et on a vu nos lacunes, voilà, on a vu qu'on a tout raté. Donc, je sais que le coach a regardé le match, donc il va essayer de corriger pour qu'on puisse être à droit devant les buts. Et puis, pourquoi pas ne pas aller gagner en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, moi, je trouve que c'est comme le Burkina Faso, c'est un pays voisin. Moi-même, je pense qu'on aura plusieurs supporters. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire, le Burkina, quand on joue seulement, parce qu'ils vont se dire que non, ils sont chez eux, mais nous aussi, on prend la Côte comme chez nous, parce que c'est donc retour sur ce plateau. On a écouté donc les plaintes, on va dire comme ça, de Albert Bambara, directeur technique, et puis après on a eu donc Rachid Sana, qui est donc le capitaine de l'ASFA Yenéga. On va Claude Lomba, si vous permettez, on va aller du côté du Maroc avec Assami Thiam-Touré qui nous a proposé d'ailleurs ces images là le match qui s'est joué sous le coup de 15h heure Burkina. Assami Thiam-Touré, bonsoir. Bonsoir Joufava, bonsoir à tout le monde. Voilà. On a suivi un peu les quelques bouts que vous nous avez partagés donc, de ce match. 0-0 à la fin. On sent la déception du côté de l'équipe burkinabé, donc celle de l'ASFA Yenéga. On comprend puisque c'est nous qui recevions aujourd'hui. Comment était vraiment la rencontre? Dites-nous. Oui, effectivement, Geoffroy Vaha, il faut dire que
J'ai trouvé une équipe de l'AS Fayenga bien concentrée dès le départ avec une bonne application des consignes, mais aussi un peu fébrile pendant les 15 premières minutes. Et c'est cette fébrilité d'ailleurs qui a failli être préjudiciable puisque le San Pedro en a profité pour créer le danger. Après cette phase, hein, les verts et or ont profité pour prendre le contrôle du match en se créant des occasions à l'image de Nicolas Doyon, ce Béninois, meilleur buteur du championnat nigérien la saison dernière avec 18 buts, qui de la tête a failli surprendre le porté ivoirien à deux reprises. Il y a eu Ousmane Diané également et qui sur coup franc a créé le danger en première période. Il faut dire que Nicolas Pepe en a eu durant la rencontre à lui seul au moins 4 occasions comme ce face-à-face comme vous avez suivi avec le portier et sur l'action où il a éliminé le portier et n'arrive pas à faire la passe pour marquer le but. Donc on retiendra que l'Asfa-Yenga avait la possibilité, de prendre le gain de la rencontre parce que le San Pedro n'est pas un foudre de guerre. Il était vraiment prenable, il suffisait simplement d'être très adroit devant le but. Mais malheureusement, l'Asfa Yenga a fait tout sauf l'essentiel. On a entendu tout à l'heure Albert Bambara, le directeur technique, qui disait qu'ils avaient tenté donc certains choix. Mais bon, le score, lui, il a été ce qu'on a vu à la fin. Mais qu'est-ce que vous pensez comme chance pour le retour, pour que ça se fera au Champrou, donc à Abidjan? Oui, pour ce match retour, il faut dire que il faut être plus adroit, plus altruiste et plus gourmand. La chance, on n'a pas encaissé ici à Marrakech, donc on n'a plus rien à craindre. L'Asfa Yenga doit se donner à fond, respecter les consignes, parce que dans cette rencontre, l'apport des latéraux n'a pas été effectif. Le milieu a fonctionné, mais ce qu'il faille en tout cas corriger, c'est bien évidemment à l'attaque, l'efficacité devant les buts. Il faut être très adroit, il faut être très altruiste, c'est important dans cette phase à double confrontation. Donc l'Asfa Yenga aurait pu avoir le gain du match si les attaquants étaient très adroits. Mais quand cela ne tienne, je crois que pour ce match retour, ils sont avertis et que pour ce match retour de dimanche, il faut dire dimanche 19 septembre au revers Champrou de Marcoury, les Verts et Or pourront tirer leur épingle du jeu. Ils pourront se qualifier si, je répète, ils arrivent à reproduire ce même match et se créer des occasions. Voilà. Et Claude, une question à Samy. Oh, bon, je pense qu'il a déjà... On a vu Abdel Bambara qui parlait beaucoup de détermination. Est-ce que vous n'avez pas senti la détermination comme Sudois? Si, Claude Wamba, on a senti Asfa Yenga en tout cas bien déterminé, bien concentré, comme je l'ai dit dès le départ. Le problème, c'est que, bon, comme c'est, il y a des joueurs qui viennent d'arriver, il y a des joueurs qui ne sont pas beaucoup expérimentés. La mayonnaise a tardé avant de prendre. Donc, les 15 premières minutes, il n'y avait pas de cohésion entre les coéquipiers. C'est à partir de ce moment que, bon, Asfa Yenga a mis le pied sur le ballon et a arrivé à se créer des occasions. Et en tout, si on veut calculer, on a eu au moins 7 occasions de but. Malheureusement, les attaquants n'ont pas été adroits. Sinon, ce qu'Albert Bambara dit, c'est normal, puisque c'est un technicien qui connaît bien ce joueur. Rappelez-vous que c'est cet entraîneur qui a fait qualifier l'Asfa Yenga en Coupe de la Confédération africaine de football. Et là, il est directeur technique à présent, remplacé par Rigo Gervais, l'Ivoirien également, qui connaît bien cette équipe ivoirienne après avoir entraîné les COE. Voilà, donc je crois bien que c'est pour qu'ensemble, ces joueurs-là prennent confiance et qu'au match retour, qu'on marque, il ne serait qu'un seul but et garder les cages non violées pour ce cas-là. C'est bien cela. Merci bien à Sam Diemtouré, qu'on appelait donc depuis le Maroc. Merci. Et on va attendre ce match retour là, et voir ce que ça va donner. Je pense qu'on avait des petits commentaires tout à l'heure sur le plateau de Manoff. Voilà, coach. Voilà, est-ce justement. Que l'équipe garde ses chances de qualification? Bon, dans pareille situation, quand vous recevez 1-0-0, a priori, les gens voient ça mal, mais moi je trouve que 1-0-0 est nul blanc. Et c'est avantageux quand vous jouez le match retour à l'extérieur. Il suffit à l'Asfa Yenga pour se donner beaucoup plus de chances de marquer au moins un but. Et tout le reste peut arriver. Un nul là-bas avec des buts, et que nous sommes qualifiés.
Je ne sais pas si le règlement a changé aussi. Non, la règle n'a pas changé, pour l'instant. L'Afrique n'a pas changé, non, ça pas reste. Encore, c'est les Européens qui ont changé. C'est les Européens qui ont changé. Jusque-là, en tout cas, je pense. Le bien est sur le compte. Le nul blanc n'est pas une catastrophe, quand même. Mais vous disiez aussi que quand on regarde San Pedro, ce n'est pas forcément l'équipe trop soutenue. Hein, donc... Oui, parce que pour moi, San Pedro, c'est une équipe qui est beaucoup plus appartient à des étrangers qui se sont installés là-bas, qui veulent. Ce n'est pas une équipe implantée comme la SEC d'Abidjan, comme l'Africa Sport. Donc, vous savez que la Côte d'Ivoire regorge beaucoup de Burkinabé. Donc, la Soyeninga ne sera pas orpheline. J'espère que ce match ne sera pas huis clos. Ça nous permet de voir. On l'espère. Bon, coach, on vous reçoit. On va revenir sur l'actualité de nos étalons. Je le disais en introduction qu'on était très bien content des prestations dernières que nous avons eues. Mais aujourd'hui, les objectifs pour ce qui est de votre mission après donc le renouvellement du contrat, c'est lesquels? Bon, a priori, c'est les mêmes objectifs qui m'avaient été assignés au départ, c'est-à-dire la qualification en Coupe d'Afrique, ça c'était OK. Alors, à la reprise, il fallait, au renouvellement, il fallait en tout cas tenter en tout cas de nous qualifier pour la Coupe du Monde. C'est ce pour lequel nous sommes en train de jouer. Et avoir une bonne participation, en tout cas, en Coupe d'Afrique. Alors, vous savez que quand on dit bonne participation en Coupe d'Afrique, le Burkina a été déjà deuxième et troisième. Donc, pour nous, c'est de faire mieux que ça en Coupe d'Afrique. Voilà, en gros, les objectifs qui m'ont été assignés. Et surtout, en bonne position, le rajeunissement de cet effectif. Madame, quand on vous comprend, moi, je suis un peu perdu aussi, hein, parce que je ne sais pas. Avec toute la polémique qu'il y a eu, on veut avoir des réponses claires par rapport à votre contrat. Est-ce que quand vous avez une bonne participation à la Coupe d'Afrique, est-ce que dans votre contrat vous avez d'arriver en finale ou de remporter ou on vous a dit de vous qualifier pour la Coupe du Monde? La qualification en Coupe du Monde, c'est quand vous participez à une compétition, l'objectif c'est de se qualifier. Tout à fait. Voilà, c'est de se qualifier, mais bon, c'est pas. C'est une aspiration. Une aspiration, voilà. Okay. Et la bonne participation en Coupe d'Afrique, bien sûr. Parce que le Burkina, on pense que nous devons être maintenant ambitieux, surtout en Coupe d'Afrique, où on a été une fois deuxième, une fois troisième. Maintenant, il faut qu'on aille chercher, en tout cas, ce trophée-là. Et vraiment, c'est ça, ce sont nos ambitions premières, et c'est ce qui me trotte dans la tête depuis un bout de temps. Et pour avoir les moyens de cette ambition, il faut d'abord avoir une équipe qui tienne. Quand on dit équipe, ça veut dire choix. Et le problème, lorsqu'on dit choix, ça veut dire qu'il y a des heureux, on va dire comme ça, et puis des malheureux. Quelquefois, les heureux et les malheureux, ce n'est pas seulement parmi les joueurs, c'est parmi les millions d'entraîneurs qu'on a dans ce Burkina. Exact. Et c'est des critiques. Exact. Comment exact. Le coach a vécu toutes ces critiques-là? Bon, je dois dire que maintenant, le coach commence à s'habituer, parce que la critique viendra toujours. Et je ne prends pas toujours ça en mal, parce que je me dis que et toute cette passion, c'est parce que les Burkinabés aiment leur équipe. Alors, c'est quoi de plus normal quand vous vous êtes chargé de faire des choix au nom des millions justement de supporters de Burkinabé, c'est normal que d'autres personnes aient des avis en tout cas différents. Donc pour moi, je respecte en tout cas ces critiques. Et vous savez que dans pareille situation, ça vient de partout. Mm-hmm. C'est à vous d'avoir la tête froide et de voir à l'intérieur de ces critiques, tout n'est pas mauvais. Il y a des gens qui vous disent la vérité. Quand ça fait mal, c'est vrai. Mais ça vous permet en tout cas de vous regarder également dans une glace et de faire, d'opérer en tout cas des prises de décision en tout cas que vous aimez. Ce que je peux vous dire, Kamou Malo prend toujours des décisions qui viennent de son cœur. Vous avez reçu comme ça certaines vérités qui vous ont paru être des claques? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Par exemple, c'est difficile d'en citer. je préfère, pour ne pas encore raviver, en tout cas cette polémique, je préfère garder ça. Mais quoi, est-ce que aujourd'hui, quand on regarde, on a vu lors de la dernière conférence, vous avez été attaqué, critiqué pour les choix de certains joueurs, vous avez défendu vos choix, par exemple Mohamed Konaté, vous avez dit, j'ai confiance en lui, je sais que il ne s'est pas encore retrouvé, mais j'ai confiance en lui et je lui maintiens ma confiance, quel que soit ce que vous dites. Ça, c'est un. Ensuite, Adama Guira, vous avez maintenu la confiance en lui, malgré que, tout ce que les gens ont dit. Est-ce qu'aujourd'hui, au sorti donc, de ces deux journées-là, vous voyez ça comme une victoire personnelle par rapport à tout ce qui avait été dit? Non, pas une victoire, parce que pas une victoire personnelle, mais moi, je dis simplement que ce sont mes convictions.
Alors, et quand vous partez avec des convictions, bon, en tant que technicien, moi, c'est comme si je jouais à une roulotte russe. Non. Et je suis convaincu que ces garçons pouvaient apporter. Et j'ai maintenu ma confiance à ces garçons. Bon, Dieu merci, ils l'ont prouvé. Parce qu'un attaquant comme Konaté, qui vient d'arriver dans l'écurie, il faut lui donner le temps nécessaire, en tout cas pour pouvoir s'adapter. Et Dieu seul sait. Moi, je sais que ce garçon pèse énormément sur les défenses adverses. Et vous l'avez vu, en tout cas lors du match contre le Niger. Vous l'avez encore vu lors du match contre l'Algérie. Adama Guira, c'est un taulier. Il est dans l'ombre d'un garçon comme Charles Kabore il y a longtemps. En termes d'expérience, Adama Guira en a une. Alors, on avait besoin, en tout cas, de la présence d'un cadre tel que Adama Guira pour conduire. En tout cas, cette jeune génération, et je pense qu'il n'a pas failli à cette mission. Est-ce que l'absence de ces des cadres en griffe dont on dit qui étaient blessés, qui en tout cas paraissaient indéboulonnables et tout ça aujourd'hui qui ne sont pas là, est-ce que ça vous a facilité un peu la tâche? Moi, je ne vois pas ça comme ça. Ma tâche n'avait jamais été rendue difficile par leur présence. Non, pas du tout. Moi, je ne vis pas ça comme ça. Alors, vous savez que en football, tout peut arriver. Tout peut arriver. Et je vous dis, c'est pas forcément la meilleure équipe des étalons qui a joué. Non, parce que c'est comme vous l'avez dit, il y a des blessés, il y a des gens qu'on n'a pas appelés parce que simplement ils n'ont pas de club. Bon, ça c'est le sort qui s'acharne sur nous. Alors moi je ne pense pas que c'est leur absence ou leur présence me rende la vie plus difficile ou pas. Non, ça c'est peut-être me connaître vraiment réellement l'environnement des étalons. Alors ça fait partie des critiques des uns et des autres, c'est normal. Quand on ne sait pas ce qui se passe dans la bergerie, on pense que tout... Non. Moi, je pense que j'ai bel et bien les manettes en main et que je prie simplement qu'au prochain rassemblement, on est vraiment... Vous avez un problème des riches. Mais voilà, je préfère ça que d'être souffrant lorsque, lors de ce rassemblement, tout le monde a paniqué simplement parce qu'il nous manquait un garçon comme Bertrand Traoré, il nous manquait un taulier en défense comme Edmond Tapsoba. Il y a de quoi avoir peur, même en tant que coach, il y a de quoi trembler un peu, mais au-delà de ça, il faut donner la confiance à d'autres qui sont là. Parce que le Burkina, comme il l'a dit tout à l'heure, il y a plus de 20 millions d'entraîneurs. Il y a également ce nombre de joueurs également. Donc pour moi, je pense que tous ceux qui méritent de défendre ces couleurs-là, on essaiera de leur faire appel. Justement, coach, quand on regarde les... Bon, je prends comme repère les deux derniers matchs. On a les craintes qui sont celles du début. On a des absences qui sont quand même majeures. Et quand on regarde dans la balance, ça aurait pu peser, même quand pour un match contre l'Algérie, par exemple. Mais je dis, ce que nous avons pu remarquer, je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent sont d'accord, il y a un fighting spirit. Ça veut dire que les garçons, ils avaient des dents longues. Ils en voulaient sur le terrain. Ça, on l'a remarqué. Ça tenait lieu à quoi? D'abord, c'est des jeunes, ils cherchent des repères. Mais là, ce qu'on a vu, c'est vraiment un esprit de gagnant. C'est le discours qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dents? Bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que en termes de compétition, je peux partir avec peut-être un déficit à certains niveaux, mais pas en tout cas sur le plan de la combativité et surtout de la gagne. Alors ça, c'est le discours également peut compter. Mais il y a aussi que ces enfants-là ont pris conscience. Alors, le discours, il est simple. Vous voyez, par exemple, notre pays aujourd'hui est meurtri par le phénomène du terrorisme. Quand vous dites ça à ces garçons-là, ils savent qu'eux, ils sont des privilégiés par rapport au reste des Burkinabés, par rapport aux militaires, par exemple, qui sont au front, qui tombent tous les jours. Voilà, mais eux, ils ont l'honneur de défendre les couleurs de ce pays-là sur un terrain de foot. Alors, je pense que il est plus facile pour eux de mouiller le maillot et de montrer, redonner du baume au cœur à ces populations-là. Les garçons ont compris cela. Et ils m'ont dit simplement dans les vestiaires, coach, nous avons envie aussi d'aller à la Coupe du Monde. Alors, et ça, c'est quelque chose de très, très motivant. Et c'est très fort, surtout quand c'est les garçons qui prennent le relais. Vous avez joué contre l'Algérie. Moi, c'est vrai que j'ai commenté ce match. Mais à un moment donné, je me suis dit, quand j'ai vu la composition, je me suis dit, mais le coach, il est fou. Aller chercher l'Algérie avec une telle tactique, c'est-à-dire, pour moi, en aucun moment, vous n'avez regardé
l'Algérie. En aucun moment, vous n'avez regardé. Vous avez regardé plutôt vos joueurs, ce qu'ils étaient capables de faire. Est-ce que ce n'était pas risqué quand même? Un compétiteur, il doit prendre des risques. Alors, si je me mettais, par exemple, à peser vraiment la force de l'Algérie, peut-être qu'on n'aurait pas sorti ce match. Mais moi, j'étais conscient, on était conscient quelque part que nous avons aussi également nos qualités et que l'adversaire aussi en face avait des faiblesses. Alors, nous avons, si vous avez vu notre entame de match, nous avons débuté, en tout cas dans un bloc très médian, où nous avons vu créer des premiers problèmes aux Algériens. Ils n'arrivaient pas, en tout cas, à franchir nos lignes. Alors, ils étaient obligés de procéder par des longs ballons. Alors, c'est sur une erreur, justement, que nous encaissons un but. Alors, si, est-ce qu'il fallait continuer à rester dans cette position? Non, il fallait aller chercher l'égalisation. J'ai dit, bon, maintenant, alors, on joue notre partout, il faut aller chercher les Algériens. Et je sais que vous avez de la qualité. Et c'est ce que les garçons ont fait. Voilà, donc, pour moi, je pense que c'est... Mais est-ce que vous aviez eu conscience que ces deux matchs-là, pour certains, vous jouiez carrément votre banc, votre siège sur ces deux matchs-là? Je vais vous dire, Wamba, déjà en Côte d'Ivoire, et face au Maroc dans les matchs amicaux, je jouais déjà ma place. Et c'était osé que d'accepter, par exemple, pendant les journées FIFA, les matchs amicaux, et aller jouer deux équipes du top 10. Voilà, et j'ai pris ce risque, pourquoi? Parce que j'avais conscience qu'il fallait coûte que coûte donner, en tout cas, et voir certains garçons que je n'avais jamais vus. Alors, aujourd'hui, je pense que l'avenir nous a dit, en tout cas, le présent nous a donné raison qu'il fallait prendre ces risques-là. Déjà, là-bas, vous avez vu la critique, la polémique autour de ces deux matchs amicaux. Alors... aujourd'hui, cette équipe, je pense que a besoin justement aujourd'hui de la confiance de sa population, a besoin du soutien du peuple. Alors, pour continuer à grandir. Et je vous dis, cette équipe de 2013 n'est pas née en 2012. Non, depuis 2006, cette équipe existait. Alors, c'est en 2013 qu'elle a maturité. Alors, si vous regardez bien. Et cette équipe, il y a de quoi vraiment être fier et en même temps donner du temps. Et je ne dis pas donner du temps au sélectionneur que je suis, mais donner du temps, en tout cas à ces jeunes-là, d'arriver à maturité. Ça peut être avec Kamou Malo ou sans Kamou Malo. Donc vous maintenez que ces éliminatoires de la Coupe du Monde là, vont permettre quand même de préparer la CAN? Naturellement, et ça je le dis sans avoir peur de me faire tirer dessus comme après ma conférence de presse. Il y en a qui pensent que nous ne communiquons pas bien. Non, c'est ma manière d'être. Je dis ce que je pense et c'est ça. Et soyons réalistes. Moi, je me regarde dans une glace tous les matins quand je me lève. Je sais qui je suis. Je connais mes forces. Alors, vous pensez que là où je suis, je n'ai pas envie d'aller en Coupe du Monde? Loin s'en faut. Je me battrai avec les armes qu'on a pour essayer d'arracher cette qualification. Mais je n'en fais pas une fixation. Alors pour moi, le plus important pour moi, c'est que le Burkina aille à la recherche de ce trophée qui nous manque. Justement, mais coach, quand on regarde déjà même avec les deux premières journées, est-ce qu'il n'y a pas une équipe des Italiens aussi qui a changé de statut? Bon, pour moi, le statut, c'est-à-dire dans le sens positif. Évidemment. Bon, si vous le dites, nous... C'est vrai que l'Algérie était... Ah oui, c'est sur le toit du monde. Ultra favori, voilà, mais là, aujourd'hui, le Burkina est devenu de dire... beaucoup plus, je dirais, l'outsider de plus en plus. Oui, mais c'est cette position que je maintiens jusqu'à preuve du contraire face à l'Algérie. Il faut être réaliste. Alors, tous les indicateurs montrent que l'Algérie est favori. Ce n'est pas simplement sur le papier. Et même en vécu, l'Algérie a déjà fait combien de Coupes du Monde? Alors, il faut quand même être réaliste. C'est une culture chez eux. Aujourd'hui, l'Algérie, que l'Algérie n'aille pas en Coupe du Monde, ça peut être une catastrophe. Voilà, mais nous estimons que nous avons des armes que nous allons en tout cas opposer à l'Algérie, en tout cas pour essayer d'arracher en tout cas déjà cette première place pour les barrages. D'accord. Donc, c'est ça la dernière question. L'état d'esprit. Moi, c'est un peu ça qui m'a séduit parce qu'on n'a jamais vu cette équipe du Burkina dans un tel état d'esprit jouer. À aucun moment, on a vu les gens aller se plaindre, on se replaçait. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a vu, il y a beaucoup qui se sont plaints. Ça fait que les joueurs sont sortis de les matchs. Il y a beaucoup qui sont sortis de les matchs. Ici, à Ouagadougou également, il y a eu des situations où on a vu les joueurs sont sortis. Vous-même, vous êtes emporté. Mais cette fois-ci, on a vu que vous, à aucun moment, vous êtes resté. Est-ce qu'on peut dire que c'est
recevoir à l'extérieur aussi. C'est la nouvelle façon, Kamou Malo aujourd'hui. Je pense que on a bénéficié en tout cas d'un environnement favorable. Ça c'est très important. Et l'environnement des matchs compte énormément. Alors je dois vous dire, c'est le lieu ici en tout cas de féliciter et toute la délégation. Et que ce soit les membres fédéraux, que ce soit les anciens joueurs Pitropa et... Exactement, ils ont joué un rôle capital. Que ce soit Aristide Bansé, et que ce soit la presse. En tout cas, on a senti une délégation, surtout qu'on a voyagé dans le même avion. En tout cas, on a senti des hommes aller ensemble pour chercher un résultat. Et ça, c'est très important. Alors, quand vous gérez un groupe et que vous sentez que dans ce groupe, ça tire de gauche à droite, il y en a qui vont là, il y en a qui vont là. Mais lorsque vous sentez que les gens regardent dans la même direction, ça décuple vos forces. En tout cas, c'est ce qui s'est passé, c'est l'environnement. Et on espère que ça va continuer ainsi pour des résultats toujours probants. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci bien, coach, d'être passé sur ce plateau. Merci et très heureux d'avoir, en tout cas, participé en tout cas, à ce débat. C'était un plaisir partagé. Merci aussi, Claude Romba. Merci beaucoup, coach. Et cela met aussi le point final à ce JDS qu'on voulait voir continuer. Mais c'est comme ça, on a 52 minutes et ça s'achève ici et maintenant. On prend congé de vous. D'ici le dimanche prochain, portez-vous bien.